Bonsoir à tous. Bon, on va attendre que ça arrive doucement. Alors, je sais pas si le son est bon, si la vidéo est bonne. Ça fait un peu à l'arrache ce soir, mais bon. Je teste les nouveaux settings d'encodage aussi. Donc si jamais il y a des problèmes sur la qualité de la vidéo ou autre, pas hésiter à le dire. Le son et la vidéo est ok. Bonsoir, BZ Hugs. Et là c'est parfait. Oui, et ET, absolument. Je suis pas le Becherel, moi, je vais pas vouloir. Bon, je t'en rends compte. J'avais dit 22 h, je crois, dernier carat. Le temps de tout setup. Je vais attendre encore un petit peu, quelques minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui viennent, et puis on va démarrer, au moins avec des petites news. Donc, au programme ce soir, c'est des news sur le développement de la T-Watch. Donc, la T-Watch, c'est la petite montre connectée, pour la montrer ici. Sur laquelle je dev depuis à peu près une semaine. Et on va s'attaquer à un autre truc assez cool, j'espère. C'est ce petit truc-là. C'est un badge électronique de Hack in the Box Amsterdam 2019. Alors celui-là, c'était le badge picker, je crois, enfin, hein, qui était donné sur des intervenants, enfin, aux intervenants, pardon. Bon, normalement ça va être intéressant. Il y a deux trois petits trucs à faire dessus. L'idée c'est de voir en gros la méthode principalement, enfin bon, des choses habituelles qu'on a sur des équipements comme ça. Voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Et puis il y a potentiellement des challenges à faire. Je crois que j'avais croisé le concepteur du badge qui avait dit qu'il y avait peut-être un truc à chercher dedans. Donc, on y va. On va voir ce qu'on peut trouver dessus. Hop. Plus ça va, plus je me dis qu'il faudrait que je mette un petit peu de musique d'ambiance en fond. Il faudrait que je vois comment faire ça sur le setup, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Allez, on va attendre 50 tranquillement. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que je peux sincèrement remercier Spectre Noir qui est passé la dernière fois lors du dernier live. Parce qu'il m'a filé des configs pour OBS, donc logiciel de streaming, et plutôt intéressante, notamment pour profiter de l'encodage hardware, ce qui permet d'avoir un CPU qui n'est pas à plat cette fois-ci. Donc la dernière fois, on a eu quelques petits problèmes sur le live, mais c'est. Bon. Ça devrait aller mieux, normalement, ce soir. Pas de freeze, et. Normalement, avec la connexion que j'ai, il ne devrait pas y avoir de soucis. Salut, salut, Jurasputin Van Doritos. Bon, je dis 50, allez, 3 petites minutes et puis on enchaîne avec 2-3 petites news sur la T-Watch. Donc, on va profiter pour préparer 2-3 trucs à montrer là-dessus. Et puis ça devrait être pas mal. Je fais n'importe quoi en plus. Bonsoir Lineman TV. Allez, plus que 2 minutes et on y va. J'espère que j'ai tout setup correctement. Ben, on ira faire une analyse assez sympa. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je suis parti pour faire au moins un début d'analyse de reverse, etc. Et puis on verra en fonction de ce qu'on trouve. Il se peut qu'il y ait des moments de blanc aussi, si jamais je galère sur des trucs. Mais si vous avez des idées à ce moment-là, ça sera l'occasion de vous manifester. Hello, hello, Gonad91. Ouais, décidément, un petit peu de musique, ça serait pas trop. Bon, je m'améliore au fur et à mesure. Hein. Ça fait le deuxième live Twitch que je fais, donc bon, je suis pas encore bien rodé sur le système. Ok, boomer. Et après, bah, du coup, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Trouver des petits trucs, mettre de la musique, etc. Il faut que je rende un peu plus la config au niveau du setup Twitch.
bon, je crois que ça va pas évoluer beaucoup pour le moment. On va pouvoir démarrer. Comme je le disais en titre de stream, je vais faire un petit point sur le développement de la. Enfin, que je fais sur la T-Watch. Un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais la présenter rapidement. Et puis on verra ensuite un petit peu les projets que j'avais pour cette T-Watch. L'idée, c'est pas forcément de faire redondant avec le live d'avant, mais au moins de montrer un petit peu l'avancement. Bonsoir Nels. Pour la T-Watch. Voilà, la T-Watch, c'est cette montre connectée. Elle est assez intéressante sur le hardware. Donc, pour information, c'est basé purement et simplement comment dire, un ESP32. C'est un genre de puce tout en un qui gère le Bluetooth, le Wi-Fi, qui a pas mal de ports d'extension. Ils ont réussi à mettre pas mal de choses dans la montre. On a notamment un accéléromètre 3D, une unité qui gère toute l'alimentation pour faire du basse consommation. Un écran, un support notamment d'horloge temps réel, enfin ils ont paquet tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans. Et donc ça fait une petite plateforme assez sympa pour faire des outils de hack portable. Il y a quelques personnes qui ont commencé à faire ça sur des devices un peu similaires pour pirater du Wi-Fi ou du BLE. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis pas mal sur le BLE donc je pense que ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut en tirer. Après on verra. Mais avant de se mettre vraiment à développer des outils, il faut une base pour dev sereinement en tout cas, avec l'ensemble des qui prend en compte en fait l'ensemble des équipements présents dans ce système. Juste basculer ça ici, voilà, histoire que je puisse suivre un peu les discussions. Hop. Hey, salut Captain Nardurk. Enfin, Tix. Ou bref. Peu importe le pseudo que tu prends ce soir. Je disais, cette T-Watch, globalement, elle est plutôt sympa. Parce qu'elle nous permet de faire pas mal de trucs. Là, typiquement, je vais passer vite fait en revue les fonctionnalités. Et donc, pour vous faire un petit peu le point sur où j'en étais sur ce système, j'ai commencé à développer une bibliothèque pour ESP32. Et la dernière fois, je bloquais sur l'intégration de l'accéléromètre et de l'écran. Donc, en gros, actuellement, au niveau de la montre, je supporte à peu près tout, à savoir le moteur qui fait les vibrations, l'écran, le touchscreen, etc. J'ai passé un petit peu de temps entre le dernier live et celui-là pour implémenter le support de l'accéléromètre et de l'écran. Et ce que je propose, c'est de voir un petit peu les résultats et les performances qu'on arrive à avoir sur cette montre avec quelques petites bidouilles que j'ai mis en place. Donc là, par exemple, le mieux que je puisse faire, c'est vous montrer déjà dans un premier temps le rendu. Voilà, donc ça, c'est ma super montre connectée en action. Ah, je suis désolé, Tix, j'ai vendu ta couverture subtile. Oui. Désolé. Bref, toujours est-il que au niveau de la montre, là, j'ai mis un petit programme dessus qui permet d'interfacer l'accéléromètre et l'écran à la fois. Donc, je vais allumer la montre, il faut appuyer 2 secondes dessus, ça va déclencher. Ce que vous voyez ici, c'est un petit carré qui va se positionner sur l'écran en fonction de l'inclinaison. Alors, ça, c'est pas forcément très facile à voir. Mais si vous regardez ici, donc plus j'incline vers le bas et plus le carré penche, puis pareil si je fais comme ceci. Comme vous pouvez voir, le taux de rafraîchissement de l'écran est pas dégueulasse du tout. On est sur une communication qui n'est pas forcément très 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 rapide, mais pour des animations, ça suffira largement. Mon idée étant de faire un touchscreen qui permet d'animer la watch. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'implémentation actuellement, ça utilise un frame buffer. On a une copie des pixels en mémoire et on voit directement ce qui passe, ce qu'on programme en fait. Et l'avantage, c'est qu'on a un genre de cache qui permet d'avoir comment dire, une animation fluide. On ne va pas remettre à jour tous les pixels de l'écran directement. On passe d'abord par un buffer temporaire. Ce qui permet d'avoir une certaine fluidité, en tout cas, dans l'animation au niveau de la montre. Donc voilà, là j'en suis actuellement ici. Au niveau des drivers que j'avais implémentés, histoire de vous montrer un petit peu le code, bah c'est un peu crade, hein. J'ai pas eu le temps de documenter ou quoi que ce soit. C'est mieux si j'affiche effectivement l'écran de code. En gros, j'ai repris principalement des specs d'un driver existant, mais j'ai dû bidouiller un peu pour monter à 80 MHz pour la communication, histoire d'avoir une vitesse de transfert relativement élevée et avoir cette fluidité au niveau de l'animation. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Si vous souhaitez qu'on discute un peu plus au niveau de la T-Watch, il ne faudra pas hésiter à en parler dans le chat par la suite, mais ce n'est pas vraiment le sujet principal de la soirée. Ça, c'était juste pour faire le point sur le dev. Donc là, a priori, il me reste juste
juste l'horloge temps réel à intégrer et à améliorer les capacités graphiques. Donc, typiquement, les primitives de dessin, faire des carrés, des ronds, gérer des fontes, etc. Mais ça, une fois qu'on a la capacité de paramétrer des pixels à l'écran, c'est quelque chose qui devrait couler de source. Donc voilà, ça c'était le petit point sur le dev de la T-Watch. Donc l'idée maintenant c'est de. Enfin, l'idée pour ce soir en tout cas c'était de s'amuser un petit peu avec un badge donc électronique que j'ai récupéré donc à l'événement Hack in the Box à Amsterdam. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, histoire que vous ayez une idée de ce truc-là. Donc, mais il est plutôt sexy, ils ont fait un beau design au niveau du circuit. Et l'autre côté, ça ressemble à ceci. Donc on a principalement une grosse batterie, 3000 mAh, c'est plutôt conséquent. A priori, c'est pour que ça tienne toute la durée de l'événement qui était 3 jours. Donc ça peut se comprendre. Et puis on a différents éléments intéressants, à savoir notamment un petit module qui est présent ici, qui est un module Wi-Fi. Qui est connecté à un écran qui se trouve juste ici. Alors du coup, je vais juste vous montrer déjà en l'allumant. Donc on a des petites LED qui s'éclairent. Et on a un super écran qui, au bout d'un moment, nous affiche des informations sur un point d'accès Wi-Fi. Parce que du coup, ça crée un API Wi-Fi sur lequel on peut se connecter. Alors j'avais déjà essayé durant l'événement de me connecter sur ce badge au niveau du point d'accès Wi-Fi. Il y avait un genre de Flappy Bird qui était accessible. J'avais essayé de scanner un petit peu les différentes pages, trouver deux, trois informations dessus, mais ça donnait pas forcément quelque chose de concluant. Donc je m'étais dit à ce moment-là que effectivement il y avait peut-être un autre moyen de prendre le contrôle de ce système. Donc l'idée ce soir, ça va être de voir comment on peut prendre le contrôle de ce badge, au moins comment on peut interagir avec, parce qu'on a des boutons, alors c'est sympa les boutons, mais bon, à part changer le clignement des LED, ça va pas faire grand-chose. Hein. J'essaie de bidouiller un peu, mais voilà, là ça fait changer une LED, c'est super, mais c'est tout. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut en sortir, et puis aussi faire une rapide analyse du circuit, même si vous n'avez pas forcément tout voir, parce que j'ai pas de super microscope ou de loupe à brancher ici pour streamer, ce qui serait, je pense que je vais peut-être en faire l'acquisition, voir si je peux vous montrer des plans assez rapprochés du circuit. Donc là ça va, il n'est pas trop compliqué, on devrait pas avoir trop de soucis. Et ensuite, je vous montrerai qu'avec un multimètre, on arrive à s'en sortir sans trop de soucis avec ce genre de badge. Donc là, typiquement, un badge somme toute assez simple. Donc première étape, on va regarder un petit peu les documentations. Ça, il n'y a pas tellement de choix. Comment c'est structuré et autres. Donc pour faire simple, au niveau du badge, on a une batterie qui est reliée. Peut-être prendre une pince pour montrer plutôt mes gros doigts, ça serait mieux. Allez. On va aller chercher sur le banc électronique ce qui va bien. Donc je disais, donc ici on a principalement une batterie, donc une batterie 3,7 V qui passe via un connecteur particulier à ce niveau-là. On a un port USB qui est situé juste sur le côté ici, qui sert principalement à mon avis à recharger la batterie. On pourrait essayer de s'y connecter, mais je vois pas en regardant rapido les lignes dessus. On dirait que les lignes de données ne sont pas soudées, en fait il n'y a aucune piste qui vient de là, donc à mon avis il n'y a pas de communication USB possible. Par la suite, donc on a ce connecteur, le petit bouton on/off qui permet d'alimenter, et la partie ici c'est la partie régulation au niveau. On voit rien, pardon. La partie ici, c'est vraiment ces tout petits composants à ce niveau-là, c'est la partie régulation. Ça lag, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu de mon côté. Qui permet donc de régler la tension de sortie. Et bien sûr, ici on a une piste qui est assez épaisse. Je sais pas si on va voir ici, peut-être comme ça. Ouais. On a une piste qui est assez épaisse qui va ensuite alimenter le module Wi-Fi qui est ici et ensuite différents éléments, les LED, etc. Et bien sûr, l'écran qui se trouve à ce niveau-là, au niveau du badge. Donc ça, c'est pas très sorcier. Et puis si vous faites attention, vous pouvez voir aussi qu'il y a des éléments manquants, comme celui-là par exemple, où on a a priori un connecteur de carte SD qui n'est pas présent, et ici un connecteur USB sur le côté qui manque aussi, avec différents composants qui doivent certainement avoir trait à l'alimentation.
Donc là, c'est un truc manquant. Et c'est bien sûr, ces deux éléments sont connectés directement sur ce module. Donc en fait, le cœur ici de ce système, c'est ce module iLink. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la documentation de ce module et voir ce que je peux en tirer. À savoir, est-ce qu'on a des informations sur le brochage, par exemple? Oula. Des informations sur le brochage et sur comment on peut s'interfacer. Donc, on va aller sortir notre plus beau navigateur que voici. Hop, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc ici je rentre la référence dans Google de ce module. Donc c'est un iLink, alors c'est un modèle HLK que je vois bien 7688A. 7688A, et on va regarder si on a de la documentation là-dessus. Alors, que me veut Google? Avant de continuer, vous devez effectuer cette passion. Oh, ordure. Je suis obligé d'accepter bien sûr les choses qu'on lit jamais, vous savez. Ce module, on va avoir plus d'informations sur comment dire, son rôle, son brochage, les différents éléments qui le composent, etc. Donc ici, je cherche principalement une datasheet en PDF. Donc, je vais essayer en tapant datasheet. Effectivement, on a un user manual qui est disponible pour ce module. Alors, ça rame un peu, j'ai l'impression. Alors là, c'est assez rigolo parce qu'il vient directement d'un site ssid.io qui permet de consulter les manuels, enfin, et les photos notamment, des éléments qui ont été soumis à la commission américaine. Qui valide notamment tout ce qui concerne les rayonnements électromagnétiques sur ces trucs-là. Et du coup, on a le user manuel que l'on peut récupérer en PDF. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière version, mais en tout cas, ça nous donnera un petit peu d'informations sur comment ça marche. J'ai zoomé histoire que vous voyez bien le truc. Donc, on vous dit ici que c'est un module basse consommation IoT développé par iLink qui supporte Linux, OpenWRT et des développements custom. Donc, ça a l'air plutôt sympa, basé sur Linux. Donc, on peut s'attendre à avoir des trucs Linux quoi, à chercher. Alors, pour les datasheets, le Dork ça marche ultra bien. Oui, tout à fait, Captain Narzuc, mais avec FileTap PDF, oui. Sincèrement, dans 90% des cas, j'ai juste à taper datasheet et le nom du composant, et le premier lien qui sort, c'est un PDF ou le deuxième. Donc après, il faut juste voir au niveau des trucs. Et effectivement, sinon, on a le ssc.gov qui permet de faire des recherches avec le ssid, si on a le ssid qui est marqué dessus, et c'est le cas ici. Hein. Je ne l'ai pas montré plus en détail, mais si vous regardez sur la. Hop. Sur le module, on a un champ qui est marqué CCID tout en bas qui permet ensuite de faire la recherche sur ce composant. Absolument. Donc, après, il y a pas mal de méthodes en tout cas pour retrouver les datasheets ou les documentations, voire même dans certains cas sur FCCID, on peut avoir des photos aussi des composants, ce qui est plutôt intéressant. Donc, merci Gonite pour le rappel effectivement sur le site américain du FCC. Donc là, typiquement, on a des paramètres. Donc la fréquence du microcontrôleur ici, c'est du 580 MHz, donc c'est quand même pas mal cadencé. On a le support 802.11, BGN sur du Wi-Fi, bien sûr 20 et 40 canaux, et support 802.11V. Bref, là, on a toutes les informations sur ce que supporte ce module. Donc là, à la base, on a donc un CPU MT7808AN avec donc une alimentation, une mémoire flash SPI de 32 mégas. Donc là, c'est un petit composant qui est caché sous le shield qui stocke la mémoire flash. Et puis, bien sûr, on a de la DDR2, c'est-à-dire de la RAM hein, qui est connectée directement dessus. Donc en fait, globalement, ce qu'on peut s'attendre ici sur le module, c'est qu'il charge une structure de fichiers ou un système d'exploitation qui est stocké dans des partitions, enfin des partitions, des zones mémoire en tout cas de la flash, et qu'à partir de là, il lance le système avec un kernel Linux ou pourquoi pas un système OpenWRT. Ça, je sais pas, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dessus, mais on verra ce que ça va donner. Donc voilà, donc on a une connectique avec bah, du coup du SDXC, donc ici typiquement une connectique SD, donc c'est pour ça qu'on a le connecteur qu'on peut utiliser. Un Ethernet de 5 ports, alors l'Ethernet de 5 ports, je ne vous l'ai pas montré je crois, mais il est bien présent, hein. On l'a ici, l'Ethernet, il est bien monté sur la carte, je peux très bien me connecter dessus d'ailleurs. Alors je ne le ferai pas parce que ça va pourrir un peu comment dire, ma connexion et le streaming, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être fait. Alors, les périphes sont super visibles. Oui, absolument, Spectre Noir. C'est.
C'est vraiment évident. Enfin, okay, je pense pas que les mecs qui ont conçu ça, c'est les gars de hackersbadge.com, je pense pas qu'ils aient cherché à cacher quoi que ce soit sur les périphériques. Hein. C'est limite, il y aurait juste marqué à côté Ethernet, carte SD, etc. C'est assez évident. Alors, alors c'est une protection contre les hackers, faut pas trouver l'UART. Ben, en fait, oui et non. Hein, clairement, l'UART, j'ai regardé un petit peu rapidement sur la connectique avant pour savoir si je pouvais en tirer quelque chose, au moins que je pouvais espérer en tirer quelque chose. Là, clairement, non, ils n'ont pas vraiment fait d'efforts. Hein. Vous allez voir par la suite, je l'ai localisé sans trop de soucis, même sans savoir comment était câblé le truc. Mais bon, ça c'est une question d'habitude. Ah, check la page d'avant, tu disais, la page d'avant, oui. Tu parles du diagramme du coup, spectre noir? Parce que le diagramme, effectivement, là j'arrive pas à lire les différents composants qui sont marqués, donc je suppose que c'est peut-être ça. Donc on a un connecteur IPX ou antenne externe, bah là en l'occurrence c'est une antenne externe. Ouais, j'ai dû zapper un truc, spectre noir. Ok, ouais. Oui, effectivement, alors, en fait, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des polices pas classiques qui sont en PDF. Bon, après, on a l'UART, on peut distinguer Ethernet, UART et ainsi de suite. Après, sur le circuit, franchement, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour planquer tout, hein, clairement. Donc voilà, donc du USB 2, c'est pareil, on a une connectique USB 2 qui est pas présente. Bon, il y a du debug avec le JTAG qui me semble pas câblé ici. Enfin, j'ai pas vu de connecteur vraiment pour y accéder, donc on va voir un petit peu. Et puis bien sûr, il y a des boutons de reset avec le MPU reset et Wi-Fi reset. C'est peut-être les deux boutons d'ailleurs qu'on a qui sont câblés sur le PCB, on verra. Et puis après, bien sûr, il y a l'I2C, SPI et de l'UART. Alors la partie UART est intéressante parce que du coup, si on est sur un Linux embarqué, ça peut avoir une console. Donc voilà. Donc si on regarde un petit peu le brochage, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, voilà. Là on a un peu plus d'informations sur l'organisation de notre module. Il se trouve être quasiment dans le sens vertical, hein, placé comme ça sur le PCB avec le connecteur d'antenne. Donc le connecteur d'antenne est placé à ce niveau-là, avec la masse autour bien sûr, pour pouvoir faire contact au niveau du shield du coaxial. Et on retrouve ici donc notamment les parties LED 0 à LED 4 qui, si je me souviens bien, j'ai vu passer ça rapidement, correspondait. Alors, LED 0 à LED 4, que je retrouve les pinouts, peut-être que c'est marqué après. Voilà. LED 0 à Z4, si on regarde bien, c'est le JTAG en fait, qui est aussi présent sur ce brochage. Donc là, on a globalement un port JTAG, puis plein de connectiques. Et si vous regardez bien, on a la partie UART TXD0, TXD0 pardon, et UART RXD0, donc ici le port UART qui se trouve sur la gauche ici de ce composant. Donc si on cherche un port série, le mieux c'est d'aller regarder vers où mènent ces connectiques-là. À savoir qu'il peut y avoir plusieurs ports série hein, dans un système comme celui-ci. On voit notamment qu'on en a un second là au-dessus, avec UART TXD1, UART RXD1, donc là c'est le second port. Alors, regarde, à tous les coups, c'est les 4 pins à côté de l'antenne Wi-Fi, non? Ah bah, il y en a qui me spoilent le truc. Oui, c'est ma supposition aussi. À tel point que, avant de lancer le live, justement, pendant que je préparais, j'en ai profité pour souder des petites pinoches, pour pouvoir connecter 2-3 outils et faciliter les tests dessus. Donc on verra si ça marche bien. Mais bon, effectivement, ça, généralement 4 broches, bon, comme ça, qui traînent, ça fait penser à un port série. Donc on verra, hein, c'est le but ici, de voir aussi si on arrive à récupérer un port série, et puis après ce qu'on peut en tirer, on verra bien. Donc effectivement, on a 2 ports série, dont potentiellement un qui est câblé, que l'on va tester. Donc ce que je vais faire, c'est je vais certainement switcher, enfin tourner un peu la cam pour qu'on puisse voir les manipulations, et puis on va juste faire un test de continuité basique. Donc là, grosso modo, hop. Bon, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà. Alors, hop, c'est mieux si on balance la caméra IP, hop, que voici. Bon, il y a des badges qui traînent. C'est même par ici. Je vais vous décaler un petit peu. Donc ça, bah, oui, c'est un badge Brucon que j'ai, qui est basé sur un ESP aussi. Bref. Hop. Alors, l'outil de prédilection qui va me servir pour cette manipulation, c'est bien sûr mon cher voltmètre, le multimètre en test de continuité. Alors ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai depuis un bail. Bon, il a l'avantage de fonctionner relativement bien. Pour ce type de manipulation, ce qui va être intéressant à noter, c'est les bips en fait qui vont être faits, parce que je vais passer en mode test de continuité, hop, comme ceci.
Et on va pouvoir tester sur notre badge ce qui se passe. Alors, je sais que vous n'allez pas forcément voir très clair par rapport à ce que je fais, donc il faudra me croire sur parole sur certains points. Mais normalement ça devrait marcher sans trop de soucis. Donc ici j'ai le module, le connecteur d'antenne qui se trouve en haut à gauche. Donc là clairement je suis dans le. Pour moi en tout cas je suis dans le bon sens. Si par rapport à vous ça serait plutôt dans ce sens là, mais passons. Comme ça, si j'ai oublié quelque chose. Attendez, voilà. Donc là typiquement on va faire juste un test. Donc première étape, je reprends donc la deuxième broche qui est à côté de la LED ici et on va essayer de voir si c'est connecté quelque part. Ah, ici en tout cas on a bien le RX du port série et ici le TX, ils sont pas embêtés en fait, c'est câblé tel quel, c'est à dire en fait à partir de directement du de je vais pas y arriver ce soir du connecteur UART du module vers les petits connecteurs que j'ai soudés. Après ce qui pourrait être intéressant du coup c'est voir à quoi correspondent les deux autres. Donc habituellement on met en même temps qu'un port série l'alimentation et la masse. Donc première étape, on va essayer de trouver la masse. Donc la masse après sur le circuit on peut la trouver à différents endroits. On l'a sur les ports USB notamment. Donc là je fais le port USB qui n'est pas peuplé. Et je prends la broche numéro 4 en partant ici du système. Enfin du système, de la première. Donc ça c'est VCC dans l'ordre. Ensuite on a des plus, des moins et la masse. Donc ici on va voir si on a la masse. Alors c'est pas la première. Est-ce qu'elle est reliée ici? Ouais. Donc là, on a donc 4 broches en partant dans ce sens-là, que je vous montre ici. Là c'est plus simple, voilà, donc juste à côté de l'antenne, je sais pas si vous voyez bien les petits picots parce que du coup peut-être comme ça sera plus simple, et donc en partant d'ici on doit avoir VCC, je vais vérifier, ensuite RX sur la broche d'après, TX et la masse. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir s'interfacer avec des adaptateurs qui vont bien et notamment faire 2-3 analyses. Donc, je vais montrer ici après l'étape d'après qui consiste à trouver potentiellement le baud rate et on va vérifier déjà s'il y a des choses qui transitent au niveau du port série. Donc là, bon, on est tout ce qu'on a. J'ai pas cherché à vérifier VCC en fait hein, dans ma démarche parce que ici typiquement ce qui importe c'est de pouvoir mesurer une tension aux bornes du connecteur, donc on a besoin que de la masse et du RX et TX, donc pas besoin de plus ici en l'occurrence. Donc on va se baser là-dessus. Pour analyser le truc, on va utiliser un truc pas cher. Alors, décidément, il y a tous les câbles qui s'embrouillent. En ce qui me concerne, je vais utiliser ce machin-là. Alors ça, pour information, c'est un analyseur logique qu'on trouve à pas cher sur Amazon. Si vous cherchez bien, notamment Logic Analyzer, on en trouve pas mal. Et il a l'avantage notamment d'être compatible PlusU. Alors, juste une question, là je vois dans mon retour vidéo que ça saccade. Est-ce que chez vous la caméra IP elle freeze aussi ou... Parce que je sais pas si c'est vraiment suivable en tout cas. C'est la première fois que j'utilise la caméra IP. Enfin, quoi que la deuxième, je crois que je m'en étais servi le premier live. Mais voilà, c'est ça, ça freeze un peu. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la connexion. Bon. Bah, si vous me dites que ça va, ça ira pour cette fois, mais je pense que je vais peut-être devoir investir d'une caméra en plus pour faire les démonstrations au niveau électronique. Bon, on verra bien. Ça, ça facilitera peut-être les prochains reverse de ce genre-là. Bon, ça saccade, mais c'est ok. Bon, on va dire que pour ce soir, vu que c'est un peu organisé comme ça, on va faire avec. Je vais prendre le temps de bien figer le truc. De toute façon, au niveau connectique, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Je vais pas avoir plus à montrer ici que ce qu'on a là. Maintenant, je vais simplement câbler l'analyseur logique sur le PC. Donc, on va brancher ça sur un des ports USB. Clic. Alors, j'ai juste qu'à brancher le câble. Hein. L'analyseur logique est tout seul, par ici. Alors, donc, il est encore pas connecté. J'ai pour habitude de câbler à froid, c'est-à-dire sans mettre d'alimentation au niveau du circuit ou PC, histoire de pas faire de court-circuit ou de mauvaise manipulation. Donc, on va commencer par câblé, du coup je sais pas lequel est lequel, je vais prendre une nappe de 3 fils, donc ça c'est une nappe de prototypage standard hein, qui est fournie avec le, oups par ici, qui est fournie avec l'analyseur logique. Donc là on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc c'est simple hein. Je prends le connecteur, je vais essayer d'aller doucement pour contrer le lag. Alors, je sais pas si c'est un lag d'encodage ou un lag
dû à la caméra. On verra avec le quand je streamerai la partie analyse logique, on sera peut-être plus rapidement fixé. Et donc ici, je n'ai même pas connecté les bonnes. Il fallait que je prenne la masse. Voilà, donc la masse c'est la marron. Et on connecte ça en suivant les indications qui sont marquées sur celui-là. Au niveau du son, il y a du lag aussi ou c'est juste la vidéo? Pour savoir. Bon, répondez-moi quand vous pouvez. Je vais voir si je peux faire le nécessaire après. Hop. Le son c'est bon. Bon, ça devrait aller. Hein. Même s'il y a un peu de lag vidéo, ça sera pas la mort, je pense. Donc ce que je fais, c'est que je câble la masse sur la masse et j'ai volontairement mis les deux broches RX et TX dessus, même si normalement on est censé savoir laquelle est la RX et laquelle est la TX. Le problème avec les ports série, c'est que clairement on sait pas lequel émet, lequel reçoit, parce que en fonction du TX et RX, des fois c'est TX parce que on est censé connecter un TX dessus, ou alors c'est le TX qui émet du module. Donc vu que j'ai pas de certitude pour l'instant l'usage des broches, on va y aller directement comme ça. Donc je vais sampler les deux en même temps avec l'analyse logique de manière à voir ce que ça peut donner. Donc là tout est câblé, prêt à l'emploi. J'ai mon analyse logique qui est branchée au. Waouh, ça lag à mort. Qui est branchée au PC. Voilà, donc on va pouvoir y aller. On va basculer ici sur le soft. Donc je vais me mettre à utiliser PulseView. Hop. Alors, voilà, donc là je vais démarrer une nouvelle session, on va vérifier qu'il voit bien le device, c'est pas trop mal. Puis là on va prendre SinturboTel pour l'analyse. Donc ça c'est l'interface du logiciel d'analyse logique, donc c'est totalement open source, hein, encore une fois, on est sur des standards sous Linux. On va pouvoir faire en fait un sample au boot et voir un petit peu ce qui passe. Le problème, c'est qu'encore une fois, sur ce protocole série, il y a quelques caractéristiques comme le baud rate, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les données sont envoyées, ainsi que comment dire, les bits de parité, etc., qui demandent d'être d'un petit peu d'analyse en fait. On ne peut pas juste y aller au jugé. Alors, il y a plusieurs méthodes, je vais vous montrer la mienne parce que bon, c'est une méthode comme une autre, hein, clairement. Sauf qu'elle est plus basée ici sur l'électronique. Alors d'habitude je fais ça plutôt avec l'oscilloscope d'ailleurs, ça me permet d'obtenir le résultat assez rapidement. Mais vous allez voir qu'avec un analyseur logique, vu que ça marche à peu près grosso modo comme un oscilloscope, sauf qu'avec des niveaux logiques, on arrive quand même à s'en sortir sur la récupération des paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une capture en la réglant comme il faut. Donc on va faire une capture, elle est à 8 mégas pour l'instant, ça devrait être suffisant, et 5 gigas sample, histoire de se donner un petit peu de marge. Donc là typiquement ce qu'on fait c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à l'analyseur logique d'échantillonner à 8 mégas sur deux canaux. D'ailleurs j'ai pas réglé les canaux. Hop. Voilà, donc c'est 4 mégas par canal, donc à 4 MHz, il va faire 4 millions de mesures secondes sur chaque entrée. Et bien sûr il va prendre ça avec le niveau logique, donc je saurai si c'est un 0 ou un 1 qui est envoyé sur le port série, le port de série étant en communication binaire. Et à partir de là on va pouvoir voir ce qui se passe sur le système. Alors, BZHUX, je dis oui, c'est souvent les mêmes valeurs en faisant un brute force de param sur Minicom, c'est pas plus rapide. Alors oui, on peut faire un brute force de param sur Minicom, d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, bon, je pense que oui quand même, mais il y a un super truc qui s'appelle baudred.py qui a été développé par un mec qui tient le blog. Ah oui, la bonne idée, il prend ça pour un site web. Baudred.py, donc qui a été développé ici par le gars qui tient le blog DevTTY S0, et c'est un script Python qui fait justement ce brute force. Alors, c'est une possibilité de faire du brute force. Le problème, c'est que le brute force, il se base, enfin, il cherche à récupérer de l'ASCII, et dans certains cas, on n'a pas de l'ASCII. J'ai eu plusieurs fois des ports série sur lesquels on avait une communication qui était faite en binaire. Et avec du port pas lisible, enfin des données pas lisibles textuellement parlant, et du coup il arrive à rien parce qu'il s'attendait à trouver du texte. Donc c'est pour ça que bon, par habitude je préfère la méthode de l'analyseur logique ou de l'oscillo, parce que c'est assez vite réglé pour fixer la vitesse du port série. Mais effectivement, on peut brute forcer, c'est une solution, et voir ce qui marche, ou alors on peut essayer de déduire en analysant les signaux qu'on voit la vitesse de communication. Donc ça typiquement on y va, on lance un run, donc on va voir les signaux qui évoluent au fur et à mesure. Donc là dis-moi si ça lag encore hein, à ce niveau-là. Et ensuite j'allume la borne.
Donc là, on voit qu'il y a des échanges. Je vais aller faire la capture jusqu'au moment où... Jusqu'au moment où on aura l'affichage sur l'écran. Comme ça, je serai à peu près sûr d'avoir un démarrage complet. Donc vous voyez ici, sur D0, c'est l'encéphalogramme plat. On n'a pas de données qui passent. Par contre, sur D1, on a des données. Si je me base sur mon câblage... Il se trouve que le channel 2, c'est la broche du coup TX du module. Donc c'est bien celle-là qui fait l'émission. Voilà, donc j'attends. Ah, ça y est, sur l'écran, j'ai là ce qui est affiché. Donc je vais arrêter ma capture. Et on va essayer de déterminer la vitesse de travail ici de ce port de communication. Donc je vais aller chercher les trames qui sont assez fournies. Est-ce que je peux changer normalement de. Suis censé pouvoir mettre. Zoomer en tout cas sur cette partie-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais voilà. J'ai plus les paramètres qui va bien sur la. On doit pouvoir. Ah si, tresse. Ah, oui. Je peux m'arranger pour que ce soit plus visible de votre côté. Voilà. Peut-être que c'est plus facile à voir. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est principalement les impulsions de. Non, je vais éteindre le système. Les impulsions les plus petites, en fait. On va chercher ici à sélectionner avec le sélecteur du logiciel l'impulsion la plus courte qui correspond en fait à la durée d'envoi d'un bit. Et là, c'est assez flagrant. Alors, encore une fois, c'est un peu crypti, mais je pense que ça doit être lisible. On voit ici clairement que j'ai sélectionné ce qui ressemble à un bit et ça prend 17,25 microsecondes. Alors bien sûr la précision ici de la mesure dépend de la vitesse d'échantillonnage, plus on échantillonne vite et plus on fait une mesure précise. Et ce qui correspond, il nous donne ici la fréquence correspondante, donc 1 divisé par 17,25 microsecondes, soit 57,971 kHz, c'est-à-dire ici une vitesse de 57 971 bits seconde. Et ça, effectivement, ça se rapproche de valeurs connues. Et la valeur connue standardisée la plus proche ici, c'est 57 600. Alors ces valeurs, elles sont standardisées. Hein. Si vous cherchez sur Wikipédia, sur l'UART, vous trouverez les baud rates classiques. Mais voilà, c'est quelque chose qui est documenté et qu'on peut retrouver. Donc là, typiquement, je vais rentrer cette information. Alors bien sûr, ici, j'ai que des séries de bits et je ne peux pas voir grand-chose. Donc histoire d'avoir un peu plus d'informations pour vérifier notamment si ma déduction est bonne, je vais ajouter un décodeur de protocole. Il passe sur le mauvais écran, je suis désolé, c'est la config à la noix. Mais bon, j'ai réussi à ajouter un décodeur UART. Maintenant, on va lui donner une ligne D0, par exemple, D1, pardon. Et là... par défaut, c'est pas le bon bitrate que j'ai mis, donc on va mettre 57 000. S'il veut bien que je paramètre ça, 57 600, pardon. Et on va afficher ça en ASCII, on sait jamais, des fois que. Alors, on va aller voir au tout début. On voit qu'on a des octets. Hop. Donc ici, typiquement, BOOT, boot et boot and recovery. Environment for embedded devices, copyright, etc. Bon, alors c'est pas forcément très lisible comme ça. Je pourrais brancher un adaptateur UART pour récupérer l'information. Je vais montrer une petite astuce ici avec PlusView qui permet de, si jamais vous avez fait une capture et que vous ne pouvez pas vous embêter à reconnecter d'autres choses, qui permet de récupérer l'information. Là, je vais faire une sauvegarde dans mon stage TMP. Non, pas dans le home. Hop, on va faire ça dans le TMP. On va appeler ça ici, je sais pas, htb.sr, ce qui va me permettre de conserver ici une trace. Alors, sur la dernière version de Celay, il y a un mode terminal, dit spectre noir. Oui, alors peut-être. Le problème, c'est que j'utilise pas les softs de Celay, et du coup, c'est tellement pratique, ouais, je te crois, carrément. Du coup, là, je suis sur du matériel, on va dire, totalement abordable. Donc on peut faire à peu près la même chose avec un petit peu d'astuces sur ce truc-là. Donc l'idée ça va être de chercher du côté d'un terminal. Enfin, je règle ce problème d'ailleurs. Bon, si on va dans le TMP, grosso modo, hop, ce qu'on va pouvoir faire c'est essayer de décoder le protocole avec notamment la bibliothèque SIGROC-CLI, enfin l'outil SIGROC-CLI. Alors c'est avec un K, même si le ROC c'est bien. SIGROC-CLI en mode continuous. Donc là, on va lui demander notamment de prendre le protocole UART. On va préciser un baud rate qui est donc de 57 600.
Et on veut lui dire que ce qu'on veut, c'est la broche D0. Ensuite, on va lui dire que ça, c'est le TX. Et je crois qu'il faut encore préciser l'HITB.SR. Ah oui, channel D0, il connaît pas. Ah, c'était D1. Alors, du coup, c'est TX égale D1. Aïe! TX égale D1. Voilà, ligne de commande. Et voilà. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le rejeu de. Oui, c'était D1, absolument, oui. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est le rejeu du boot qui est fait par Pulsio, par Sigrok, à partir des données qu'on a capturées sur Pulsio, et on peut voir le boot qui a été capturé. Donc, c'est plutôt sympa, parce que ça permet ici, de juste à partir d'analyseur logique, de récupérer les datas. Donc, on est sur une plateforme MediaTek avec un chipset MT7628AN ou MT7688AN. Donc, la datasheet du module, en tout cas, nous disait que c'était un MT7628AN. L'horloge 575 MHz, bon, on est sur du truc assez classique. On voit notamment que le réseau était paramétré avec un ici, donc l'adresse 1.1, que on pouvait potentiellement interrompre l'autoboot, ce qui aurait pu nous être utile. Mais bon, on va continuer de voir un petit peu comment c'est structuré. L'idée, c'est d'avoir aussi une idée de comment l'architecture est fichue. Bon, on a déjà une indication ici. Le kernel, a priori, c'est un OpenWRT, enfin, du moins une compile qui est faite sur OpenWRT. Donc, entre Linux et OpenWRT, on est sur un système d'OpenWRT. On a 2-3 informations sur la mémoire. Donc, ici, on est sur, a priori, un système MIPS. Ouais, c'est ça, c'est le. En plus, c'est marqué ici, j'ai même pas fait gaffe. On a donc un U-boot au démarrage, donc c'est un bootloader pareil, open source, qui est assez souvent utilisé d'ailleurs sur des OpenWRT. Image name, donc MIPS OpenWRT Linux 4.14.63, la data size, etc. Donc là, on a quand même pas mal d'informations sur le système. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est bien sûr quels sont les programmes qui sont lancés et notamment ce genre de choses. Alors on voit ici que notamment la console est activée sur TTY0, donc normal, hein, c'est ce qu'on est en train de regarder. Donc on a ici la console. Alors la console était désactivée puis elle a été activée. D'ailleurs, on n'a pas d'informations sur le baud rate plus que ça. Et on a ensuite le détail des partitions. Donc ça, c'est par rapport à ce qui est dans la flash. Donc on est sur l'élément qui est connecté sur un bus SPI ici, le MTD en fait, donc un support de stockage flash. Et on a donc au début U-boot, l'environnement U-boot, factory et firmware au niveau des partitions. Et là typiquement c'est assez classique. Un factory du coup c'est une image qui va être chargée en cas de problème de chargement du firmware. U-boot c'est le bootloader. U-boot 1 ce sont les paramètres du bootloader. Et le firmware et eh bien c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui a été mis dans ce badge. Ensuite, on a deux partitions de boot au niveau firmware, kernel, root FS. Bon, encore une fois, quelque chose d'assez standard. À savoir ici, notamment, une partie qui contient le kernel, généralement compressé, mais pas forcément. Mais habituellement, il le compresse quand même pour gagner de la place. Et root FS, qui est le file system root, sur lequel on a tous nos fichiers qui sont stockés. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Typiquement, donc on a un VFS qui monte root en SquashFS. Donc là, typiquement, rootFS, il y a de grandes chances que ce soit du SquashFS. SquashFS, c'est un système de fichiers compressés, hein, qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs sur des mémoires SPI, parce que il donne de bons résultats en tout cas sur ces systèmes-là. Init console is live. Donc là, on a grosso modo toute la partie initialisation, les drivers, etc. Le drive de GPIO. On a un bridge ici au niveau LAN. Une connectique I2C qui est accessible. Donc pas mal de choses que l'on peut. Comment dire que l'on peut avoir, et puis il y a surtout un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a un petit press enter to activate this console. Donc là, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ce système là? Donc maintenant que je sais exactement comment dialoguer en UART avec ce truc là, je vais enlever mon analyseur logique et on va essayer de se connecter avec une console, enfin un adaptateur FTDI et choper un shell dessus, voir si on arrive à faire quoi que ce soit au niveau du boot. Donc par contre, j'ai pas prévu l'adaptateur FTDI, il va falloir que j'aille fouiller pour en trouver Et j'en ai un, donc ça ressemble à ça, c'est un petit module comme ceci. Peut-être qu'il n'y ait pas trop, on va repasser sur un truc classique.
Donc voilà, l'adaptateur FTDI hein, du standard. Celui-là, il est configuré pour du 3,3 V. Bon, a priori, c'est relativement standard. L'avantage, c'est qu'il a la même connectique que mon analyseur logique. Donc je vais pouvoir directement substituer l'analyseur logique avec ce FTDI. Donc grosso modo, ce que je vais faire, alors ça va laguer un peu encore, je repasse sur la caméra IP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ici bah, la masse de la même manière. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre soin aussi de connecter le TX pour pouvoir interagir. Donc on y va, on branche ça ici. Donc RX sur TX. Et la masse, oui, ça va être quelque chose comme ceci, si je ne m'abuse. Donc on avait dit RX sur TX, donc ça sera noir, blanc, marron. Oui. 2 minutes. Bon, de retour. Comment dire? Il s'agissait d'une alerte araignée. On est venu me chercher parce qu'il y avait une grosse araignée. Voilà. Couru un petit peu, là, ça fait sport, c'est pratique. Bon. C'est bon, maintenant l'araignée, elle est passée de 3D à 2D. On a réglé le problème. Ouais. C'est ça aussi, les live Twitch, quand il y a de la famille à côté. Hein. Bon, donc j'avais dit, l'adaptateur FTDI, donc là je viens de câbler, je vérifie une dernière fois que tout va bien. Mais soufflé cette histoire en plus. Je viens me taper les escaliers à monter, enfin à descendre et à remonter. Donc RX, ça sur celui-là. Donc a priori c'est TX. Ok, bon, on verra bien de toute façon. Si je me suis loupé, on sera fixé assez rapidement. Ok, donc revenons à nos moutons. On a notre shell ici. Hop. Alors pour s'interfacer avec le port série, moi j'aime bien utiliser Screen. Ça donne des résultats. Ah, forcément. C'est à ce moment-là que l'adaptateur va pas décider de pas marcher. Non, c'est bon. Petit USB 0. Bon, on va rester en route pour la roue. Pour la forme, ça va éviter des fails. Donc on va se connecter avec un donc 56600 en baud rate. Voilà, donc là tout est prêt. Et maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça nous donne. Donc là on va avoir le boot impeccable. Hop, on fait entrer. Ouais, ça va. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple pour l'instant. Donc là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la possibilité au boot de U-boot de entrer, de frapper, d'appuyer sur une touche en fait. Et l'avantage de cette bidouille, c'est que ça nous permet ici, tout simplement. Eh bien d'interrompre l'exécution au niveau du démarrage et d'avoir accès à un shell. Mais là, on a un shell au niveau bootloader.
Ça peut servir dans certains cas à sortir le firmware si la mémoire n'est pas trop grosse. Donc à la limite, on pourra peut-être envisager de dumper le firmware de cette manière s'il y a des commandes qui le permettent. Donc là, on va regarder ça. Retournons à nos moutons. Donc voici le shell. Ça, c'est le shell Ubuntu. Donc généralement, il y a des commandes help à disposition. Ouais, c'est plutôt pas mal. On a le flash utility qui permet de lire la flash. Et puis les infos, donc c'est enfin help flash, on aura les infos sur la commande. Raté, c'est flash help. Sur la commande flash, voilà, donc on peut lister les flashs. Donc ici, si je fais un flash list, du coup, voilà, j'ai tous les infos. Ça. Limite, ils voulaient faire plus compliqué. Au final, je me demande s'il y a vraiment un challenge à faire là-dessus, parce que vu comment c'est. Pour l'instant, c'est pas trop sécure. À voir. Mais il y a peut-être des trucs cachés dessus, qui sait, des easter eggs. Donc là, typiquement, on a une flash qui est dessus, qui est une Winbond W25 Q256. Encore une fois, un modèle de flash assez standard. C'est une flash NOR, ce qui est très courant pour ce type de flash. Donc ça n'a pas une grosse capacité. Hein. On est sur du 32 mégaoctets ou du 32 mégabits. Je ne sais pas du tout ce qu'il affiche comme info ici. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir la spec de ce machin pour vérifier. Mais à mon avis, c'est 32 mégas. Hein. Voyons voir, on va prendre un navigateur qui va bien. Ouais, j'aime bien passer avec le mode démo plutôt, histoire d'éviter de liker tous mes trucs. On rentre ici. Ah tiens, ça c'était un truc qui allait partir. Hop. Donc on a la datasheet de ce truc-là, mais à mon avis c'est du 32 MB. Hein. Voyons voir, 256 mégabits, ouais, donc c'est ça, c'est 32 MB. Donc du coup, voilà, pour une flash, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc ici, donc 32 mégaoctets ici de stockage. Voilà, c'est déjà une bonne. Alors la partie qui est intéressante ici, c'est que on a la banque 0 et on peut lui demander de faire une lecture ici à une adresse et de nous afficher, de dumper directement sur le terminal l'info. Donc là, je vais essayer juste de voir si j'ai bien accès. Bon, il n'y a pas de raison hein, ici vu le comment c'est structuré, mais je vais demander de lire la flash 0, de dumper en tout cas l'adresse 0, puis les 128 premiers octets par exemple. Et j'ai pas dû rentrer des trucs comme il voulait. Alors flash banque 0, dump 0x0, et on va mettre son. Ah, ça c'est sympa. Alors on fait les détails de la banque, ce sera peut-être mieux. Info. Ah, flash. Alors j'ai mis la banque 0 et il n'en veut pas. Intéressant. Voyons voir, flash list, banque 0. Ok. Je fais flash info. Ah, ok, il prend par défaut la flash. Donc on n'a pas trop à s'embêter en fait. Donc si je lui demande de lire quelque chose comme ceci, yes. Apparemment il y a pas mal de zéros. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ah, il y a des FFFFF0010. Non, ça, je suis pas sûr que ça marche des masses. Je vais lui donner ici quelque chose comme ceci. On va aller un peu plus loin. Donc là, on va dumper pas mal de trucs. Hop. Ah, zut, flash info. Hop. Donc flash info, on a bien ici. Donc elle fonctionne à 25 MHz, capacité 32 mégas. Et on est sur la banque 0. Par contre, ici, c'est bizarre quand même que j'ai pas de data directement récupérable. Parce que normalement, d'habitude, on trouve le bootloader ou certaines infos qui sont dessus. Après, des fois, on a aussi des bootcodes propriétaires qui sont directement accessibles. Donc, à voir. Bon, ça peut être une solution ici. En tout cas, j'ai fait un dump. Normalement, c'est censé afficher le contenu. Non, je vais essayer d'aller plus loin dans la mémoire. Ah, si. Bon, là, je suis allé dans des adresses plus élevées. Et comme vous pouvez le voir ici, on a typiquement donc des trucs intéressants. Peut-être essayer d'aller fureter un peu plus loin dans des adresses plus hautes. Voir si on peut sortir des trucs intéressants. Bien sûr, je peux augmenter la taille hein, de ce que je veux lire. Bon, ça va défiler un petit peu, mais au moins. Alors là, voyons voir, on a vu passer des petites choses. Ah, je peux pas scroller, c'est bête, parce qu'il y avait deux trois machins qui étaient bien. Je vais essayer de refaire la commande ici, mais en prenant un truc comme ça. Voilà. Yep, un Gmail. Ah oui, à Pascal, à gmail.com.
Alors, est-ce que c'est le vrai développeur de ce truc-là, ou est-ce que c'est vraiment le mec qui a fait le challenge? Tiens, ça serait intéressant de voir. Hack Pascal, alors du coup, hackpascal@gmail.com, ça donne quoi si on cherche ça gentiment? Ah, ouais, non, je pense que c'est assez évident. Le mec est sur. Il a un GitHub avec OpenWRT Dev. Intéressant. Il a bossé sur du 5C aussi. Open Wireless Freedom. Est-ce que c'est un des core développeurs par hasard? Tiens, bah, bride.hackpascal.net. Ah, dis donc, c'est intéressant. Est-ce que ça serait pas ce qu'on a là? Un bride, un boot and recovery environment for embedded devices. Ça y ressemble bien. Bon, a priori, c'est le mec qui fait le bride. Il dit que c'est pas une modification du boot, hein. C'est vraiment un truc qui est propre. Et c'était ce qu'on avait comme message, en fait, sur ce système-là. Donc, on a bien boot and recovery environment for embedded devices. Donc là, c'est lui. Ça a été compilé, voilà, systématique. Donc là, on a bien la flash qui est accessible. Bon, alors, idéalement, il faudrait enfin, dans la méthode que je suis habituellement, il faudrait que je dump le contenu de la flash en passant par l'UART pour pas me casser les noix. Ça peut prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a un port série qui est en 51 600 baud, donc c'est pas super rapide. Disons que ça peut facilement prendre plusieurs minutes. On verra à la limite. Ce que je peux essayer de faire. Après, si vous êtes prêt à suivre tout le développement du machin, je vais faire un peu de Python pour dumper tout ça et stocker le résultat. Ça peut être intéressant, à la limite, de voir le mode opératoire. Il y a des outils aussi qui existent pour Uboot qui font ça relativement bien, donc on pourra peut-être les modifier. Bon, pour l'instant, je laisse ça de côté. Je garde ça pour si vraiment j'arrive pas. Ouais, au pop-up, me dit-on. Oui, pourquoi je ne vais pas faire ça de suite? Parce qu'il se peut que on ait accès à un shell Linux. Avoir le shell Linux, ça nous permettra de faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je peux très bien prendre un autre PC, le plugger dessus, faire une connexion IP pour envoyer directement les données de la mémoire flash. Ça ira 40 fois plus vite. Là, pour l'instant, c'est une option en tout cas pour dumper la flash, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure option et celle qui ira la plus vite. Donc là, ce que je propose, hein, c'est que je vais faire un test en rebootant le système, en essayant d'arrêter non pas au niveau du bootloader, mais au niveau du système, voir s'il y a une authentification ou si on tombe directement sur un shell root. Si on tombe sur un shell root, vu qu'il y a de la connectivité Wi-Fi, avec un autre laptop que j'ai à côté, je pourrais certainement envoyer le dump et le récupérer sur ce PC-là sans aucun problème. Donc ça, on va faire le test. Bon, je continue vite fait à regarder un petit peu ce qu'il y a. La flash, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les paramètres de démarrage, les informations de boot en fait, directement. Alors je sais plus si on a les options ici. On peut me faire du wget avec celui-là, intéressant. On peut paramétrer le baud rate aussi, contrôler le réseau. Ouais, ça a l'air sympa ça. Puis voir les différentes commandes, exit from telnet. On peut tester les GPIO et les boutons. Ouais, là en l'occurrence, ce qui m'intéressait, ça serait de reset et de voir si on peut s'arrêter au niveau du Linux. Allez, on y va, c'est parti. On reset. Là, je touche à rien pendant le boot, histoire que ça démarre le Linux. Voilà. Donc là, on est en train de démarrer sur le noyau Linux. La console n'est pas encore activée. J'attends juste de voir si je peux appuyer sur Entrée. Press F, pointer, select the debug level. Ok. Alors, je ne l'ai pas fait. Ah, bah, ça m'a. Oui, ça m'a l'air plutôt évident. Alors, le problème, c'est qu'on va avoir le debug sur la console. Donc, dès qu'il y a des trucs qui vont se passer, voilà, ça va venir nous pourrir la sortie standard. Mais c'est pas catastrophique parce que, comme vous pouvez voir, on est en route at OpenWRT. Donc, en fait, on est sur un système OpenWRT. On a accès à peu près à tout. Donc, là, ouais, ça va plutôt être intéressant. Donc, maintenant, vu qu'on a accès à ça, je vais aller voir ce qu'a trouvé en W. Parce qu'en fait, on a une partie qui était mise là-dedans, en fait, qui se trouve être. Peut-être pas VM parce que ça va être un peu peut-être un 4 dessus. Voilà, donc là typiquement c'est en fait un Flappy Bird, ou un truc qui ressemble à Flappy Bird qui se lance quand on se connecte dessus. Voilà. Et c'est tout, on a que ça. Bon, ça me semble un peu bizarre là, ça. Donc c'est juste un point d'accès sur lequel on peut jouer avec Flappy Bird. Si c'est ça, je suis un peu déçu de la part des concepteurs. Bon, le mieux c'est d'aller voir un petit peu ce qu'on a dans les différents éléments. Parce que j'ai une commande tree là-dessus, ça va être un petit peu massif.
On va aller voir déjà dans le TC. Ok, donc là les services Shadow, etc. On peut aller voir du coup dans l'idée si on n'a pas des infos qui seraient intéressantes. Tac. Ok, donc si je fais un 4 de boot, on a les. Ah, puis là, je suis même pas sur une console. Je peux même pas scroller vu que je suis dans un terminal, c'est galère. Est-ce que je peux faire du LS dessus? Ouais, c'est pas parfait, mais on va dire que ça fera peut-être le boulot. Bon, ça marche à peu près. Donc ici, bon, on regarde un petit peu comment il démarre à ce niveau-là. Il y a bin config generate. Il config le wireless. Temporary hack, until config D exist, reload config. Et a priori, on a un bin config generate qui doit générer certainement la configuration. Donc là, à la limite, on peut aller creuser. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce config generate? À mon avis, ça a l'air d'être du shell. File config generate. Ah, et oui, j'ai pas accès à file. Une des restrictions qu'on a là-dessus. Alors, est-ce que dans BusyBox, c'est dans bin BusyBox, file. Ah, non, il est vraiment pas disponible. Ils ont vraiment compilé ça qu'avec le minimum. Bon, on va regarder la taille du fichier. Ça va peut-être être plus sympa pour voir là. Si c'est un binaire ou pas, ouais, 9K. Attention, ça va peut-être pleurer au niveau des. On va peut-être faire un head, c'est plus simple au début. Est-ce que j'ai la commande head dispo? Ouais, donc c'était bien un script shell. Et on voit notamment qu'on a donc une config avec une etc board.json. Et à mon avis, ce truc-là, c'est. Tiens, je dois avoir un VI normalement à disposition. Ça doit faire la génération de la config. Bon, c'est. Ok, donc ici la config. On a un script shell qui est lancé, qui est dans usr share libubox. Ok, binboard detect, etc. Config network, donc ça pour la configuration réseau. CJSON, si c'est un objet DSL, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous règle ici le réseau, si c'est un modem. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DNS network, la MAC adresse, l'adresse IP, le paramétrage du réseau, si on est sur l'IPv6, si gère, switch VLAN. Suite, j'ai la local porte pas drôle, ouais, ok. Ensuite, on a deux trois trucs là-dessus. Générique static system, donc ici, bon, a priori, c'est la configuration au niveau du système. Système NTP serveur. Alors, générer RSSI. Ah oui, ok. Donc en fait, il y a une génération de la clé, a priori. Enfin, je vois local config RSSI dollar key. A priori, la config elle vient du JSON qui était dans le board.json. On va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. On va faire un 4 etc board.json. Ah, ouf, là il y a du monde. Donc etc board.json. Alors, qu'est-ce qu'on a? Switch 0, bon, en fait de la configuration principalement. Les rôles, ok, donc là LAN 1. Ok, donc en plus on peut le connecter sur le LAN et il a un DHCP sur le WAN et ensuite ben, il faut regarder s'il route sur le LAN. Mais dans ce cas-là, ça pourrait être marrant. Ouais, c'est tout, il n'y a pas plus là-dessus. C'est un peu dommage. C'était dans le. On avait quoi par ici? Ouais, il y a du monde. Config generate, donc là typiquement je vais aller tout en la fin. Ce qui m'intéresse, c'est comment il lance des binaires à la fin. Ok. Do generate RSSImon. Generate GPIO suite. Generate static system. Ok. Bon. Bah, je commence vraiment à me demander s'il y a un truc qui est caché là-dessus. Ou si c'est vraiment un OpenWRT qui est là juste pour faire joli. Ceci dit, je vois pas l'interaction avec l'écran encore. Je sais pas comment il arrive à envoyer l'information sur l'écran. Donc, on va essayer de chercher un petit peu dans le. Alors, c'était dans le bin config, il y avait un truc qui s'appelait la libubox, je crois. Merde, j'ai fait un via un 4, je voulais faire un via. C'est quoi l'usr share là? Il y a un jshn.sh, je sais pas d'où ça vient. Usr share, libubox. Là, je suis en train d'essayer d'entrouvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, avec ces fonctions pour générer du JSON. Ok, en fait, c'est un. Un interpréteur JSON ou un parsing de JSON pour du shell. D'où le JS HN.SH peut-être. Alors, peut-être en checkant la date de modification des fichiers. Ouais, on pourrait faire comme ça aussi. Mais je sais pas parce qu'après si c'est buildé, à vérifier.
On a quoi dans Rome? Ok, bon, classique. Dans le Var. Pop, si ça fout, Ostlib. Ce qui m'épate en fait, c'est qu'il n'y a rien de particulier. Alors, je vais voir des lignes de dés du coup, voir si on peut trouver un truc. 6 contre le VP au switch, le boot count. Alors, tu as la commande find de dispo, très bonne question. Voyons voir. Oui, on dirait bien, effectivement. On peut faire une commande find. Bon, le bootcamp, je suppose que c'est un truc qui compte le nombre de boots au niveau système. Ok. J'ai du mal à voir comment il load. Alors, init.d done, ça peut être cool, non? Effectivement. Alors, start égal, process user. Bon, là, oui, il fait du RC pour local. Ok, donc là, on va définir. Et ensuite, il paramètre des LED. Oui, effectivement. Hey. Nice guess. Bon, il y a un RM6 upgrade.tgz. Ok, main de route down. Et ensuite, a priori, lance de TCRC local. Donc là, c'est peut-être aller chercher du côté du RC local. Alors, redirect. Ok, bon. Je crois que c'est assez évident. Et s'il y a du NAT qui est en place. Et ensuite, il y a le USRS bin OLED show et le RC.once qui, s'il est présent, est exécuté. Donc, USRS bin OLED show, bon, je pense qu'il pilote. Ah, ou punaise, c'est du binaire. Ah, par contre, il y a des mentions du SSID et de key. Ok, donc ça, c'est ce qui doit driver l'écran, effectivement. Donc, ça veut dire que grosso modo, si j'appelle ça, je dois peut-être pouvoir faire un truc intéressant avec, non? USRS bin, OLED show. Get wireless SSID. Ok, est-ce qu'on a des options là-dessus? Non, en fait, c'est celui qui va vraiment piloter le truc. Et c'est vraiment ce qui s'affiche sur mon écran OLED. Alors, oui, si je vous montre ici, enfin, je sais pas si vous allez voir l'écran, mais peut-être. Mais grosso modo, hop, je vais vous préparer ça, bougez pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai à l'écran. Hop. Comme ceci, et on voit clairement que ça correspond à ce qui est affiché ici. Donc ça c'est le binaire qui justement permet de régler les LED. Alors, ça pourrait être intéressant de le reverse pour voir comment il communique avec, mais bon en soi il va récupérer les informations sur... Alors on a vu en dehors la commande get. Ouais, bon, ça aide forcément. Est-ce qu'on a des infos sur le get prop par exemple? Ouais, faudrait que je regarde où c'est stocké ce truc. Oui, visiblement I2C sur l'écran, absolument oui. Bah, quand j'avais fait le VI dessus, effectivement, c'est assez flagrant que c'est de I2C. Hop. Parce qu'il va chercher le dev I2C 0. Absolument. Par contre, il y a des paramétrages, enfin, du moins la configuration wireless.default, underscore radio 0.ssid, etc. Ça fait partie des paramètres qui sont stockés, à mon avis, soit dans la NVRAM, soit c'est généré de manière dynamique. Et je vois pas forcément où ils sont stockés ici. Bon, après, je suis certainement un poil rouillé sur ce genre de choses. Mais il faudrait réussir à trouver justement où c'est généré. Alors après, peut-être en cherchant vite fait sur PanDVRT, il me semble qu'il y avait un truc similaire à du get prop. C'est UCI. C'est parce que. Alors, UCI, et normalement, si je fais un UCI list perdu, alors que je récupère les commandes qui vont bien, alors ça c'est. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ok, cool, merci. Il fallait pas. Parce que normalement, dans l'UCI, on peut demander de lister tous les attributs et les différents éléments. Alors, voilà, un truc, c'est que j'ai perdu ce que je voulais. Hop. Donc, c'était le wireless défaut radio 0. Ça marche ce truc là. Ça fait un bug, j'ai parmi les mains. Oui, ça m'a l'air pas mal. Alors je vais essayer de faire un get wireless défaut de radio 0. Point SSID. Yeah! C'est ça.
Donc là, typiquement, voilà, ça passe par l'interface UCI pour la configuration. Et je me demande si je fais un set wireless default radio 0.ssid et avec un truc comme ça, par exemple. Ah, perdu. Je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, c'est ça, je crois, ça devait voir la syntaxe. Set, ah non, c'est égal valeur. Hop. Donc là, et si je vais mettre une chaîne de caractère. Ok, si je relance le USR SBIN au LED show. Ouais, c'est gamin. Je suis absolument désolé. Bon, bah du coup, ouais, ça marche comme ça. Si j'arrive à vous montrer mon super hack de la mort. Ouais, c'est pas parfait. J'ai une LED verte forcément qui est. Bon, voilà, c'est owned. Sur la partie OLED. Bon. Après, je pense que en certaine façon, directement avec l'I2C, on va certainement pouvoir envoyer des trucs. Alors, la question après, c'est est-ce qu'on peut faire tourner Doom dessus? Grande question en ce moment d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu le hack sur les tests de grossesse, où apparemment, au moins sur l'écran, Doom a tourné. Je crois pas qu'il ait tourné vraiment sur l'architecture hein, de test de grossesse du microcontrôleur que c'est. Mais bon, ça fait toujours. Un peu rigolé de voir ce genre de choses. Ouais, Doom au GTFO, faut voir après. Ça pourrait être marrant. Sachant qu'en plus on a des boutons, je pense qu'il y a moyen de diriger. Par contre, on est avec deux, donc on pourra pas faire énormément de choses avec. Mais vu qu'on a une connectique Wi-Fi, pourquoi pas après faire un client. Enfin, il y a moyen de faire pas mal de trucs après. Alors, ouais, sur l'écran OLED du test. Ouais. C'est ça, bref. Bon là du coup on peut spawner des SSID que l'on veut et changer un petit peu la config qui était mis par défaut. Ceci dit, j'ai toujours pas trouvé de véritable task à résoudre. Je pensais avoir à faire un genre de mini CTF avec des choses à trouver dessus. Je suis encore en attente. Pour l'instant ça n'a pas été trop compliqué. On est plutôt sur du standard, le bootloader est pas sécure, le port série, il n'y a même pas d'authentification dessus, sinon ça aurait pu être marrant de s'amuser avec le bootloader. On a donc un écran OLED qui est sympa. Alors on va essayer de retourner voir le contenu de. C'était de rc.local, je crois, et puis on avait le done aussi. Il y avait le rc.once. Alors rc.once, est-ce qu'il est présent? Non. Et là, bah, du coup, on avait un diac.sh qui permettait ensuite de faire des choses. On peut y paramètre les LED. Ça se trouve, il y a peut-être. On peut s'amuser avec des LED aussi, c'est même très certain. Get status LED. Est-ce que je peux afficher l'écran? Oui, bien sûr. Redfoo 52, pardon. Ah oui, ah oui, bah oui. C'était ça l'écran, oui. Bah, excusez-moi. Voilà, c'est fait désormais. Donc, voilà. Ça m'arrive de temps en temps de zapper, de switcher d'écran. Là, en tout cas, c'est bon. Donc, je suis allé éditer le fichier qui permet d'afficher enfin, de gérer les LED. Comme on peut voir, il est un petit peu corsé. Et on a un get status LED et set status LED. Et apparemment, on peut le lancer dans différents modes. Bon, status LED on, etc. Donc là, c'est bien pour contrôler les LED, mais je suis pas sûr que ça. Après, il y a deux LED qui sont présentes sur le dessus. Je sais pas vraiment à quoi elles correspondent, mais bon, j'ai pas envie d'appuyer pour l'instant dessus. Mais en tout cas, il y avait des trucs qui s'allumaient quand on appuie sur les boutons. Par contre, ici, on a le board name green 4G0 en status LED en fonction de. Donc là, je pense que si je fais référence à status LED. Board name, ok. Donc, get status LED, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le set status LED. Et on a un set state qui est appelé avec ensuite les différents éléments. Bon, ça pourrait être marrant de jouer avec, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ce que je cherche à faire. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus aller creuser un peu plus dans le machin, voir si on peut trouver des binaires qui n'étaient pas prévus ou autre. Mais à part ça, j'ai pas trouvé grand chose. Peut-être dans l'USR. Bin. Qu'est-ce qu'on a dans le bin? Ouais, non, pas plus que ça. Je vois pas de. Il y a forcément un reset et ce genre de choses. Cher, façon, on va pas avoir. Oui, on est sur vraiment du standard. J'ai l'impression que c'est vraiment un OpenWRT, tout ce qu'il y a de plus classique qui a été mis dessus. Enfin, classique. Avec juste une partie web qui héberge un jeu et voilà quoi.
je crois que quand on fait l'édition de l'index HTML, voilà, c'est Clumsy Bird, qui est un genre de clone de Flappy Bird. Et c'est tout. Alors j'avais regardé déjà, quand je cherchais dans ce genre de site, s'il n'y avait pas des trucs que j'aurais zappé, mais j'ai pas vu grand chose. Donc je pense pas qu'on ait vraiment plus de choses à faire là-dessus. Alors celui-là est un peu moins intéressant en tout cas, parce que bon, du Linux embarqué, un port série, c'est très standard. Je m'attendais à un truc un peu plus poilu en termes de. Alors, moi, je persiste, hein, j'essaie de voir si je suis pas passé à côté de quelque chose sur l'arborescence. Vous avez des idées, faut pas hésiter. Peut-être dans route, non, route, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on aurait du var. Là, il n'y a quasiment rien non plus. Pff, c'est... Alors, Godai qui nous dit, je crois que tu dois faire un score de 1000 sur Flappy Bird et ça pop le flag. Ouais, alors, comment dire, je suis pas super motivé pour jouer sur Flappy Bird, sachant qu'en plus, pour me connecter sur le badge, en maintenant la connexion que j'ai, vu que j'utilise le porteur de Wi-Fi actuellement, ça va être un peu la misère. Je suis en câblé encore et encore. Je suis même pas sûr qu'au niveau des interfaces réseau, ça pète pas un câble au niveau de ma bécane. Bon chance, oui, absolument, bon chance, ouais. Non, Flappy Bird, au revoir. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est du coup qu'on a une plateforme OpenWRT portable avec un point d'accès qu'on peut potentiellement configurer. On pourrait peut-être installer Lucy dessus, qui est l'interface de configuration d'OpenWRT, et faire des trucs sympas. Salut Bitka, Flappy Doom. Et quasiment sûr qu'on peut faire tourner après un Doom en JS qui marche. En remplaçant juste dans 3W les fichiers qui vont bien. Alors j'ai plus la version qui marchait ici, mais je suis quasi sûr qu'on peut trouver un Doom.js sur internet. Doom.js DOS. Oui, par exemple, ça peut être sympa. Enfin voilà, c'est un jouer à Doom dans le browser. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de faire ça pendant un live Twitch. Mais quoique, c'est du jeu, ça marche aussi. Si, ça doit marcher en cherchant bien le truc. Il va émuler un DOS pour jouer à Doom dessus. Alors par contre, ouais, c'est pas méga gagné. Si, ça a l'air de démarrer quand même. Doom créé en 93. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je crois que c'est sur Netflix, il y a un documentaire sur les vieux jeux. Il parle notamment de la jeunesse de Doom. Assez intéressant. Tu vas avoir assez d'espace disque. Alors, il y a 32 MB pour stocker. C'est la grande question. Là, un Doom.exe, à mon avis... On n'a peut-être pas assez d'espace pour stocker ça. Mais je pense qu'on devrait peut-être avoir... Oh mon dieu, je suis retombé 20 ans en arrière. Donc je disais... Si, en plus ça a l'air de marcher. Ah, c'est ouf. Ok, bref, donc disais-je... Faudrait voir ça. Là, si c'est vraiment un jeu original en mode exe, émulateur DOS, ça va peut-être être compliqué. Par contre, il y a peut-être des implémentations full JS du jeu, je sais pas trop. J'ai pas l'impression qu'ils aient mis vraiment de trucs complets. Ah si, il y a un JS Doom in JavaScript. Ça a l'air pas mal, voilà. Si, il y a un mec qui l'a fait. Il y a toujours un mec pour faire un Doom dans une version bizarre. Ah si, JS Doom. Alors, pour jouer à JS Doom, peut-être qu'il l'a... Ouais, là voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à héberger les fichiers dessus et... Waouh. Alors, ça fonctionne. Par contre, c'est pas parfait comme truc. Je vois les ennemis une fois sur deux. Je vais me faire défoncer là. Ouais. Bref. Puis en plus, moi, je suis totalement nul à Doom, donc c'est l'horreur. Enfin voilà, donc là typiquement je pense pas qu'on puisse en faire un... Revenons sur bon écran. Mettre un Doom dessus. Après je pense que ça peut se faire au niveau du OLED, à la limite, mais ça sera certainement une version un petit peu custom qui va tourner dessus. Bon, en tout cas, à part faire tourner Doom, on pourrait... c'est une plateforme OpenWRT quoi, c'est... je sais pas si vous connaissez les TP-Link qui sont un petit peu similaires, qui peuvent servir à ça, en CDMW je sais plus combien... TP-Link, OpenWRT, il y a une série de TP-Link, j'en utilise moi quand je fais des formations notamment pour filer un accès Wi-Fi sans avoir à me galérer sur la connectique après derrière, sur le réseau qui se trouve derrière.
Ok, il y a pas mal de tapenings, mais il y avait des petits tapenings pas chers. Alors, je sais plus c'était quoi la référence. Qui va foncer sur un OpenWRT. Je vais pas avoir ça. Si c'est un, je sais que c'est un WR quelque chose, un truc comme ça. C'est quoi ça? Non, c'est des dongles. TP-Link. Comment ils appellent ça déjà? Oui, c'est ça, le TL-WR703N par exemple. Absolument. Ah, c'est pratique d'avoir un chat. Merci, Goodnight. Oui, effectivement, c'est dans cette série-là. Je crois que j'avais un 802, moi. Voilà, celui-ci. Peut-être pas le 802. Voilà, les 703 dans l'original. Oui, enfin bon. Non, c'était donc un. Enfin, c'est ce modèle-là, moi, que j'ai, dont je me sers en formation, qui marche relativement bien. Bah, ça, typiquement. Alors, le MR3020, ou. C'est quoi ça? C'est un MR3020? Non, c'est un nouveau. Alors, ok, MR3020. C'est peut-être un MR3020. Alors, je l'ai pas là, je l'ai laissé en salle de formation, mais. Oui, bah c'est. Oui, si, si, bah, c'est un MR3020 qui gère notamment la connectique 3G, 4G à côté, ouais. Ça vient d'un atlas propre de RIP à la base. Ah oui, effectivement, oui. Bah ça typiquement on peut le reflasher avec OpenWRT, j'avais galéré un petit peu mais bon c'est ça se fait. Donc l'idée c'est bah, pourquoi pas mettre un OpenWRT sur ce badge et monter comment dire peut-être un relais Wi-Fi s'il gère les connexions multiples au niveau Wi-Fi, j'ai pas vu les specs au niveau de la partie I-Link, mais ça pourrait être intéressant de regarder si c'est possible de mettre ça. Imaginez un badge de conférence qui fait routeur Wi-Fi. Bon, ça peut être marrant. Après, vu que ça fait du Wi-Fi, il y a moyen de faire plein de trucs avec. Hein. Les trucs que j'envisageais, par exemple, avec la montre connectée, on peut potentiellement le faire avec. On peut potentiellement le faire avec celui-là, hein, typiquement. Donc, que ce soit un ESP32 ou un module embarqué comme ça qui fait du Wi-Fi, ça marchera sans trop de soucis. Surtout que, bon, du coup, c'est du Linux, enfin, un distro OpenWRT qui est en place, hein, donc base Linux, il y a moyen de faire quelque chose. Donc ouais, ben, j'ai l'impression que sur le badge en question, il n'y a pas plus à trouver. J'ai pu heurter un peu plus, hein. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais bon, habituellement, on a au moins des binaires qui sont au démarrage ou des services qui sont spécialisés là-dedans. J'ai regardé vite fait dans les trucs qui se lançaient, j'ai pas eu de service particulier. Par contre, ça pourrait être intéressant. Alors, je le fais là, je sais que j'ai pas mis d'écran, mais je vais regarder ce qui écoute sur le système. Attendez, je vous en fais profiter. Voilà. Donc là, typiquement, avec un petit netstat, bon, je fais en basique sur les éléments qui sont connectés. Donc, Active Internet Connections without Server. Si on passe en active, aïe, est-ce que je peux mettre un less là-dessus? Ça marche. Yes. Bon, à port 53, il y a un SSH qui tourne en 22. Tiens d'ailleurs ça serait intéressant peut-être des users autres que root dessus puis on trouve bah, du classique hein, 53 pour le DNS et puis bah, le DHCP à côté quoi donc là typiquement c'est pas sorcier pour ce qui est de tout ça et le web oui effectivement il y a un serveur web qui tourne avec du coup c'est quoi comme serveur. Bah c'est un micro HTTPD, mais après mon avis, on peut peut-être aller voir la conf, ouais, ça peut être marrant, sur le micro HTTPD. Est-ce que c'est dans le uhttpd.conf où il n'y a pas de conf particulier. Ok, en plus, j'ai l'habitude d'avoir des mauvais. Je peux utiliser un PS standard. Voilà, donc là en gros, apparemment il y a un CGI bin qui est avec, intéressant, 3W. Donc si je vais dans le VAR ou le WAWA, il y a un CGI bin là-dessus. Où est-ce qu'il est placé? CGI bin est dans stash. Bah non, même pas. L'épreuve que tu dois solver en suivant Virtu sur le salon pour capter le Wi-Fi. Bitka, est-ce que ça serait pas un vieux troll par exemple sur une des épreuves que j'avais fait pour la nuit du hack avec du Bluetooth Low Energy par exemple? Hein? Juste comme ça, je demande. Pour ceux qui. C'était pas une épreuve web pour l'occasion, mais ouais, c'était arrivé effectivement.
Il y a une UDVA qu'on avait fait, enfin j'avais conçu une épreuve où l'épreuve finale c'était de pirater un dongle, enfin un système d'étouffer l'ancien. Ouais, c'était fun, j'avoue. Bonne bah oui, typiquement, fallait être proche de moi. J'avais un petit porte-clés BLE que j'avais reprogrammé. D'ailleurs, je crois que c'était le sujet du talk que j'avais fait lors de cette nuit du hack. Et dessus, il y avait un firmware spécial. Fallait grappiller des indices et des informations. Le binaire, notamment, on devait le récupérer par une autre épreuve. Et l'épreuve ultime, c'était d'arriver à pirater le dongle pour se faire livrer le flag, en fait, qui donnait accès au Black Badge. Et je me suis retrouvé pendant une bonne partie de la soirée, enfin de la nuit du hack, avec 4-5 personnes qui me suivaient à la trace avec leur smartphone, qui avaient détecté un truc qui s'appelait Black Badge, mais qui savaient absolument pas quoi en faire. C'était un petit peu awkward. J'aurais dit assez rapidement que bah, s'ils savaient pas quoi faire, c'était peut-être pas la peine de me suivre. J'étais stalké pendant ouais, au moins 2 ou 3 heures. Et ouais, bon, c'était fun, après ça dépend pour qui. Bon, ça me dérangeait pas, c'est moi qui l'avais conçu, mais je pensais pas que les gens allaient scanner le BLE qu'il y avait autour et essayer de localiser le badge. Mais en y repensant après coup, effectivement, avoir un truc qui s'appelle Black Badge, ça incite à se demander si c'est pas ça l'épreuve pour le Black Badge. C'était peut-être un mauvais choix de conception de ma part pour cette épreuve-là. Bref, donc oui, pourquoi pas, hein, un badge de conf où faut poutrer le badge. Alors, il y a des confs où il y a des gens qui ont fait ça avec des chapeaux, et puis des rubans de LED. Donc je pense que c'est à peu près similaire. Il y a quand même un truc qui m'embête, c'est que le CJBIN dans le HTTPD. Hop, je vérifie juste vite fait. Sur la configuration avec normalement le tiret X. L'option -x dans HTTPD, je sais plus ce que c'est. Ça m'apprendra à pas assez piller. Bon, c'est un d'entre vous à la réponse. Alors, Fuck Donald, ça aurait été bien à Disney comme nom. Ouais. Fuck Donald. J'avoue. Mais bon, le problème c'est qu'on a aussi des Américains qui viennent, mais je pense que bon, la plupart ont à peu près un avis assez tranché là-dessus. Alors, Bitka, mon idée c'était un badge avec un écran LED visible, mais avec une vue qui permet de cède l'image des autres visiteurs. Alors, bah, en fait, là, t'as un monde rien. Il y a un mec qui avait fait ça dans une conf, il avait monté un. C'était le Hack Hat, je crois que c'était Defcon, où le but c'était de pirater le chapeau. Alors, à mon avis, pour que je retrouve le truc, Hack the Hack the Hat. Moi aussi, ça devait être ça. Youp, voilà, donc un chapeau avec un ruban de LED, et le but c'était de pirater le chapeau. Il y avait un réseau Wi-Fi, et du coup, alors je sais pas si il y a peut-être un link qui mène, c'est une vidéo YouTube du coup, me voir moi regarder des vidéos c'est pas intéressant, mais j'essaie de juste d'aller à l'essentiel, et donc ouais, c'était même pas la DEF CON celui-là, c'était un autre événement a priori. Ouais, ça a une gueule particulière hein, sur ce truc-là, et ça c'est l'intérieur. Si vous regardez un petit peu, hop, c'est bon sur HD. Donc dedans il y a tout ce qui permettait de. Bah, du coup d'ailleurs, serait-ce un TP-Link ou un truc similaire, on dirait bien. Et donc voilà, il y a un pack d'alimentation, tout ce qui permet de gérer le ruban de LED, etc. Et s'est amusé avec ça. Alors si le mec, effectivement, Gonite, le mec a dû avoir chaud toute la journée, hein, avec son grand chapeau, plus sa super affiche à codé. À mon avis, ouais, c'était pas forcément la meilleure idée. Ouais. Enfin bon, donc en tout cas, tiens, ça me permettra peut-être d'aborder un point qui est intéressant, que j'avais soulevé, je crois, lors de la dernière. Enfin, ce que j'étais à Brucon dernièrement. Parce que du coup, il y a la possibilité, c'est un peu dommage d'avoir plein de badges de conférences et pas savoir quoi en faire. Bah, ici, typiquement, c'est un truc qui est réutilisable. On est sur un OpenWRT, et bon, grosso modo, je pourrais le faire flasher une nouvelle image en passant par du réseau, en le faisant connecter en Ethernet sur un réseau sur lequel je mets un TFTP, sur lequel il va récupérer l'image. U-Boot permet de faire ce genre de choses. Et quand on a regardé vite fait les paramétrages U-Boot, il y avait moyen de le faire. Donc là, typiquement, je pense que c'est quelque chose qui est jouable. Pour le reprogrammer. Après, il bah, faudra revoir tout le kit de développement de Hailing, mais bon, a priori, c'est pas quelque chose qui devrait être impossible à obtenir.
Si on cherche le. Alors c'était quoi? C'était un HLK. HLK 7688. Est-ce qu'on a un SDK là-dessus? Bah sur les tailles de produits d'Hightech. Alors oui, je vous montre mon écran, c'est mieux. Il veut pas s'afficher. Ordure. Donc c'est une borne de développement, la base OpenWRT. Tiens, on a une version un pactage un peu mieux fichu, enfin même module hein, qui est présent ici. Et je pense que du coup on doit avoir certainement du kit de dev avec. Ça c'était un autre à mon avis. C'est le Quick Start for Linkit Smart 7688 Duo Board. Bon, une board c'est une autre board du coup, c'est pas celle qui nous concerne. Mais il y a peut-être moyen d'avoir ça. Donc en gros, là, typiquement, on a basiquement ce qui peut ressembler à un kit de dev et qui peut être réutilisé. Donc là, en gros, bon, je vais pouvoir déconnecter tout ça par la suite, mais ça peut être intéressant. Pareil, on avait. C'est quelque chose qui m'avait amusé. Enfin, Bitka, je pense que tu t'en rappelles, on avait fait ça, je crois, ensemble à Brucon. Enfin, ensemble. J'avais fait le coding et je t'avais montré ce que je faisais à ce moment-là, de mémoire. On a un autre badge. Alors celui-là, c'est un petit peu différent. Il s'agit. Voilà, putain, la caméra, c'est une catastrophe. Donc, le badge Brucon. Alors, je sais que ça va laguer parce que la caméra IP est totalement dans les choux. Peut-être le navigateur qui pète un câble. Cette caméra IP, du coup, elle utilise des composants assez standards. Donc, on retrouve un écran de Nokia, ensuite des boutons et surtout ici des boutons capacitifs, un peu comme une console, hein, Game Boy ou autre, pour ceux qui connaissent les Game Boy. Enfin voilà, non, c'est méga connu. Un pavé directionnel qui est présent ici sur ce côté-là. Ensuite, bouton AB, ah, c'est une horreur. Ça marche pas. Alors, Bitka, t'as pas le même pour HTTP 2019. Ouais, je crois que c'est normal. Alors, je sais plus où je l'ai foutu, mais il y avait deux badges pour HTTP. J'ai toute une partie avec des badges. Je vais voir si je peux le trouver. Je sais pas ce que j'en ai fait. Par contre, j'ai retrouvé le badge Brucon que j'avais durant Brucon. Le musée de Virtue. Ouais. J'en ai un petit peu de badge. Je sais pas à la limite ce que je peux faire. Alors, faites pas gaffe au bordel, hein, parce que c'est vraiment le gros bazar. Alors, ça va laguer parce que je vais devoir utiliser la webcam, hein, enfin la caméra IP, pour pouvoir me promener avec. Mais je pense que vous allez peut-être. Bon, qu'est-ce que je déconnecte ici, alors ça va être un peu le bordel. Hop. Faites pas de gaffe au bazar. Mais ça commence à être un peu le bazar ici, au niveau des badges. Tout un paquet avec encore des trucs ici. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis ici. Mais voilà. Ça c'est pour le petit tour du bureau vite fait. Hop. Est-ce que ça va remarcher ce truc? Hop. Voilà, donc voilà, enfin bon, et on trouve des badges électroniques comme par exemple celui de la Brucon. Et du coup, pour terminer le petit laïus sur les badges de conférence, du coup, ce badge en fait c'est basé sur un SP32. Il est totalement programmable, les gars de Brucon, en particulier le dev qui, enfin la personne, alors j'ai perdu son prénom et si elle regarde le stream, je le prie de m'en excuser. D'ailleurs, c'est marqué dessus, bon, si je cherche bien. Il semblait qu'il avait marqué. Ah, impossible d'en mettre. Alors c'est dans le code. Ah ouais, ça je devrais pouvoir le trouver dans le code. Sur le badge Brucon. Enfin bref, en gros cette personne a publié. Je sais pas si c'est sur. C'était Brucon 18 badge. On avait un truc sur GitHub, donc je pense que je vais pouvoir le trouver. Aïe, si je tape pas comme un gorille, ça devrait aller mieux. Je devais passer. Flûte. C'est celui-là. Le Brucon Bash 2018, donc c'est.
cet utilisateur ici, GGVA, qui a fait le code et il a donné bien sûr l'intégralité des sources pour pouvoir développer dessus. Et je me suis inspiré de ça pour développer, je crois d'ailleurs, ça peut-être dans un de mes repos. Si je ne m'abuse. Comment ça. Ah bon, j'apprends des trucs, j'ai contribué au programme d'archives de GitHub. Ok, merci. Brucon 2019, voilà. Donc, qui du coup était un firmware custom que j'avais fait pour le badge. Et qui permettait notamment de jouer à un snake. Alors, je peux vous montrer ça si vous voulez, c'était rigolo. Donc, du coup, si j'allume le système, alors faut brancher ça ici. J'espère que la batterie est pas naze. Ah ouais, alors en fait Houston on a un autre problème, c'est que sur celui-là il y a un souci de bouton. Le bouton on-off a morflé, il est cassé. Bon, je pourrais pas l'allumer. C'est dommage. Enfin bref, en gros on peut développer dessus et en profiter. Alors vu qu'il y a une prise USB, je me demande si j'allume en prenant un câble USB à la noix. J'en ai un qui traîne, je pense que oui, yes. Donc là, si on essaie de brancher en USB, il y a peut-être moyen de jouer directement. Ok, ça pourrait l'air de marcher des masses. Je sais mettre la batterie, mais à mon avis, vu que le machin est resté. Ah si, yes! Vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, je vous montre ici l'écran, je sais pas si vous allez voir. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, donc là on est sur un jeu Snake qui a été implémenté. Alors ça va pas très vite, hein, mais c'est sensible aux touches normalement. Voilà, voilà c'est pas terrible. Ça va avoir. Je galère sévère. Voilà, tiens, là c'est mieux. Voilà, donc là, typiquement, voilà, un petit firmware qui était fait sur mesure et qui était implémenté sur ce SP32. Alors bien sûr, il fait plein d'autres trucs que simplement piloter un écran, hein, faut pas se leurrer. Ah non, je suis embêté, j'arrive plus à démarrer. Voilà, arrêtez. Hop, voilà. Donc on peut très bien faire d'autres choses que piloter un écran, mais voilà. Ça, voilà. C'est dommage, je trouve, d'avoir plein de badges de conférences et pas savoir quoi en faire. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vois pas ce que je peux faire de plus pour l'instant avec les différents badges. En tout cas, celui-là, il n'y a pas de truc évident à trouver. Il y aura encore un. J'ai pas envie de partir dans l'analyse de binaire ou les assemblages complets de quelques exécutables qui ont été développés sur mesure en cherchant, en espérant trouver un potentiel. Comment dire, un potentiel flag ou quoi que ce soit. Là, à mon avis, c'est mort. Pour revenir vite fait sur ce que disait Bitka, effectivement, le badge Brucon, je crois qu'on avait fait un article dessus. Alors, je vais l'afficher dès que j'aurai mis la main dessus. Mais j'avais dû écrire un machin sur le reverse de. Comment dire, de ce badge. Alors, juste le temps que je retrouve. Je pense que c'était sur le blog ou un truc dans le genre. Voyons voir. Ça, c'est le fil 2018 et l'autre. C'est pas l'autre HITB plutôt. Le rouge, comment ça? Oui, ça devait être. Si, c'est le rouge. Je sais pas si tu te rappelles, Bitka, c'est celui où j'avais galéré avec le Stellink parce que j'étais venu sans. Comment dire. Bah, sans truc particulier. Donc c'était un peu embêtant. Okay. Alors, je pense que je vais utiliser Google parce que là, ça devient. Ça devient un peu problématique pour retrouver l'article. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc je vais pouvoir vous montrer ici vite fait. Mais oui, c'était le rouge, tu as raison. Celui-là, c'était celui des speakers, je crois. Est-ce que j'ai mis une photo du badge dessus? J'espère que oui.
ça, flûte. J'arrive pas à trouver photo d'image. J'ai tout la partie river, ça c'est clair. Par contre, impossible de mettre de badge. JTB 2019 badge. On va chercher dans les images, mais je pense qu'on va le trouver, effectivement. Ouais, alors c'était celui-là. Bah tiens, du coup, c'était un de mes tweets. Super. Ok, je vous montre ça. Pouf. Ouais, donc c'était le badge en question. Donc même aspect que celui que j'ai là à côté, mais en rouge. Et il y a des LED qui s'affichent quand on résout les épreuves. Et du coup, si je regarde vite fait ce que j'avais mis après, ouais, cette galère à trouver en média. À moins que je regarde dans les médias que j'avais sur mon profil. Sauf que ça a commencé à faire. Je suis même pas sûr d'avoir les. Tiens, on parlait des piles de badges tout à l'heure. En voilà un bon exemple. Ah, flûte. Oh mon dieu. Je repasse dans des vieux trucs là. Du CEH. Bref. Pas sûr d'en mettre la main dessus pour l'instant. Sur la gueule du badge, malheureusement. Alors, je sais pas s'il y en a qui avaient fait des photos plus évidentes. Si, à la limite, celle-là. Bon, elle est pas, c'est pas forcément la meilleure, mais elle mérite d'exister. Ouais, non, il n'y a pas plus de détails sur le badge. Ouais, c'est dommage. Ça aurait été marrant d'avoir un peu plus d'infos. Tiens, est-ce que ça serait pas le même que mien, ça? Ouais. En fait, c'est une photo de moi qui a été prise par Freeman. Donc c'est normal, j'étais déjà en train de m'amuser avec le badge en question, mais avec le Flappy Bird. Ok, bon, j'ai pas plus de photos en tout cas du badge en question. Et j'arrive pas à remettre la main dessus, alors ça se trouve il est peut-être parti dans un tiroir. Ou alors il a été rangé avec le reste des badges, je sais pas trop. Là franchement, voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. J'espère que ça a été intéressant, du moins pour la partie analyse hardware. En somme, c'était pas très compliqué, on n'a pas eu de gros freins. Hein. On a trouvé un port série, on s'est connecté dessus, c'était un shell pas protégé par mot de passe, et ensuite voilà. Ça, c'est un très mauvais exemple de trucs sécures ou autre. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour des prochains lives, c'est peut-être de prendre je sais pas moi, des trucs connectés. Actuellement, je donne une formation où on a ce genre de device connecté, une caméra chinoise pas chère, etc. Où on la démonte, etc. Il y a deux trois trucs intéressants sur la partie reverse en tout cas qui est à faire. Seulement, bah, c'est une formation, j'ai pas envie de spoiler le contenu et autres. Hein. On parle ici de propriété intellectuelle qui appartient à la société qui m'emploie. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, je peux très bien essayer de voir pour trouver des petits trucs sur Internet. Objets connectés divers et variés, puis pourquoi pas faire du teardown sur Twitch, voir refaire le type d'analyse que j'ai fait là rapidement sur d'autres objets. À voir, c'est peut-être un truc qui pourrait être cool à faire. Lors du live précédent, j'avais fait pas mal de dev, mais bon, voir un mec qui dev, c'est pas forcément la meilleure option. Je pense que j'en ai tiré à peu près la leçon. C'est ennuyeux au bout d'un moment, clairement. Après, si j'arrive à animer en même temps, pourquoi pas, mais là, ça. Je sais pas. On verra peut-être dans les sessions futures si ça peut intéresser. Voilà. Donc. N'importe quel objet connecté sur Wii fera l'affaire. Ouais, on peut faire ça. Après, c'est les délais de livraison qui vont peut-être être un peu laborieux, mais ça peut être marrant. Après, dans les objets connectés que j'ai à dispo, j'en ai quelques-uns peut-être qui pourraient être marrants. Ouais, je retrouve où je les ai rangés en fait dans mon bazar. Ce qui me semblait que j'avais une Livebox de mémoire, une Livebox 4 qu'on m'avait passée et qui marchait pas. J'ai pas vu ça directement. Enfin, c'est un peu le bazar ici à cause du fait que j'ai bougé le bureau il n'y a pas très longtemps et que j'ai un peu tout casé n'importe où. Et donc, résultat, je sais plus où trouver mes affaires. C'est quand même grave. Bon.
Bah en tout cas, je sais que dans un tiroir, j'ai une Xbox qui traîne. Peut-être partie au grenier ou autre. Et voilà. Alors oui, Orange Sagem va taper sur les doigts. Ouais, c'est possible aussi. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Faire des tests sur les box internet. Effectivement. Bon, on va laisser la Livebox tranquille alors. Je tiens pas à avoir des petits soucis avec Orange. Voilà. On va dire que après un talk que j'ai fait à la nuit du hack, j'ai eu un petit retour. Si je pouvais éviter ce genre de choses, ça serait pas mal. Les centrales de lames chinoises aussi sont drôles, nous dit Blackmore. Oui, bah, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Oui. Après, j'ai un peu de matos en termes de trucs connectés, mais j'en ai beaucoup plus au boulot que ici. C'est pas un truc que je mets chez moi en fait. Je pense que c'est un peu une déformation professionnelle en fait. Après avoir testé plein d'objets connectés et trouvé plein de vues dedans, j'ai pas forcément envie de j'ai pas forcément envie d'en mettre à la maison. Alors, il y a Gonette qui nous dit, tu filmes à l'envers, ça fera une mégasse, et ils ne verront rien. Ouais, non, faut pas non plus les prendre pour des bleus. Il y a quand même le form factor, et puis le firmware qui est dessus. Ils vont peut-être un peu criser, ouais. Il n'y a qu'à les débrander. Ouais, débrander, c'est pas évident, en fait, sur ces équipements-là, parce que dès qu'on se connecte sur les interfaces, il y a toujours un leak, ou des références dans les arborescences, système de fichiers. Dès qu'on met la main dans le cambouis, en fait, dès qu'on arrive à attraper un shell, ou à dumper de la flash, ou analyser des partitions, ou autre, il y a toujours des références au constructeur. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est grillé. Le problème du live, c'est que je peux pas venir flouter telle ou telle partie de l'écran par rapport à ce que je montre, et c'est moins évident, c'est clair. Un piratage de Bivebox, oui. Ouais, non, je sais pas. Après, oui, effectivement, désosser des trucs, ça pourrait être intéressant. Moi, j'avais envisagé pour des lives futurs, pourquoi pas de m'amuser un petit peu avec des devices comme celui-là. Ça, c'est un Wii U Terminal, j'en ai parlé lors du live précédent, mais bon. Encore une fois, c'est beaucoup de devs à partir d'Arduino ou de SP, enfin pas de SP32, parce que ça c'est un chipset Atmel dessus, mais pourquoi pas du dev électronique ou de la fabrication de PCB, voilà, bon, après à voir. Proxy qui remplace des images et remplace le texte. Ouais, non, 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 j'aurais pas le temps de développer tout ça, malheureusement. Par contre, ouais, en objet connecté, je sais pas ce que j'avais. Bah, du coup, oui, les box, mais ça, c'est pas terrible. Sinon, j'avais une autre box que j'avais récupérée de chez Orange, qui était pas la clé qui permet de passer la télé. Enfin, un genre de comment ça s'appelle? Un truc de Google là. Bref, flûte. Là, je suis périmé là. Le truc de Google qu'on branche sur de l'HDMI. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Un Chromecast, c'est ça, merci Bitka. Bah, c'est un genre du Chromecast made in Orange qui était un petit peu plus réduit, mais bon. Il m'avait aussi filé un genre de boîtier qui permettait de spawner un Wi-Fi pour les invités sans avoir à leaker ses credentials Wi-Fi de box. Qui était assez sympa, sur lequel on pouvait brancher un disque dur, partager un genre de pirate box en fait, made in Orange, qui était marrant. Ça, pareil, je crois que je l'ai gardé. J'avais dû faire une petite reco facile sur les ports série ou ce genre de choses, mais ça pourrait être intéressant peut-être de dessouder de la flash ou d'aller titiller un petit peu plus profondément le système. À voir, enfin bref. Après, si vous avez des idées, bah, faut pas hésiter. Hein. Je suis dispo sur Twitter si vous voulez m'envoyer des idées pour des prochains reverse hardware. Ça sera avec plaisir. Il y aura peut-être aussi des hack hardware que je vais faire durant ces sessions-là, je sais pas trop. L'idée c'est surtout, enfin à la base, par rapport au live sur stream, enfin sur Twitch, c'était surtout d'arriver d'une part à me motiver à faire des trucs, parce que je tombais assez souvent dans la mine de YouTube et les nuits étaient longues mais pas très productives. Parce que j'ai d'autres projets en cours, notamment sur des bidouilles de Minitel, ce genre de choses, qui pourraient être intéressants à montrer. Mais ça sera pour d'autres streams. Savoir que j'ai pas mal de cartes à refaire, et des projets aussi de conception de systèmes électroniques qui permettront de faire ou de faciliter certaines analyses hardware, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que j'envisageais de faire aussi dans le futur. Donc, si ça vous intéresse, par exemple, s'il y a des. Comment dire? Des thèmes ou des outils comme ça qui vous bottent, ça peut être intéressant que je stream la phase de conception s'il y en a qui sont chauds, ouais, clairement. Donc là, c'est en gros du KiCad avec la conception électronique, on passe en revue les datasheets et on fait
la base, à savoir que je vais me baser sur des trucs assez standards, donc c'est pas très compliqué. Mais par contre, la création de PCB peut être intéressante avec toute la partie routage et la fabrication. Donc l'idée, c'est, enfin, dans ce genre de projet, il y en a quelques-uns qui vont démarrer, alors peut-être pas de suite, mais pour la fin d'année, je pense peut-être dans 2 ou 3 semaines, d'arriver à concevoir des PCB, mais de A à Z, de les faire fabriquer, que je les reçoive et que je vous montre aussi toute la partie assemblage. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire du CMS, donc des systèmes qui sont soudés en surface, avec des composants en surface, soudage à l'air chaud, au fer, de précision, des trucs sympas, quoi. Il y a pas mal de vidéos de gens qui font ça sur le net, hein, mais clairement, ça peut être marrant de voir ce que ça donne en temps réel avec un assemblage. Alors du coup, ça sera pas sur ce bureau ici, mais plus sur la partie électronique. Hein. Donc faut que je vois comment je setup tout ça. L'éclairage, tout le bazar, ce que j'ai découvert avec Twitch, hein, que l'éclairage importait beaucoup et qu'on avait aussi des contraintes sur les caméras, le débit, un petit monde sympa. Et donc du coup, si j'arrive à monter un setup du coup sur toute la paillasse électronique qui se trouve à ma gauche, que je peux pas montrer pour l'instant tellement c'est le bazar, bah du coup on pourra faire potentiellement un assemblage avec un. En filmant en assez gros plan la partie soudure, assemblage, air chaud notamment. Je pense utiliser des composants QFN, des trucs un peu embêtants à souder, histoire de me marrer. Parce que c'est fun à souder, faut dire ce qu'il y a, une fois qu'on a pris le coup de main. Enfin voilà, donc ça c'est pour la suite. Bon, ça fait à peu près 1h déjà 54 que je stream. 11h30, voilà. Donc si vous avez à la limite des questions, pourquoi pas, je peux y répondre. Et sinon, bah, on va arrêter là pour ce soir. Après moi, je suis pas encore couché, hein. J'ai pas mal de dev à faire sur la montre encore. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. Ça fait plaisir d'avoir des personnes avec qui discuter de ces petits trucs et puis d'échanger avec vous en tout cas sur des hacks hardware et sur ce qu'il y a. Voilà. Non, pas de questions, parfait. Bon, bah, on va rester là pour aujourd'hui. Donc merci encore à vous. N'hésitez pas à follow, bref, truc habituel. Je crois que j'ai eu le malheur de mettre un truc pour des dons aussi, pour récupérer potentiellement 1 ou 2 euros si vous voulez que j'achète des devices. À vous de voir, enfin. De toute manière, j'en achète aussi moi-même. Donc ça sera l'occasion de pouvoir les récupérer. Enfin, comme vous voyez, hein, j'ai du Wii U Terminal, etc. Et voilà. Bref, bon, bah, bonne soirée à vous aussi. Profitez bien. Reposez-vous surtout. Profitez ensuite du week-end. Et puis, au prochain live. Je vais essayer d'être à peu près régulier. C'est peut-être pas forcément les mêmes jours, mais ça sera certainement à peu près aux mêmes horaires. C'est là où je suis à peu près tranquille pour streamer. Parce qu'avec les gamins, la petite famille, tout ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, ciao. Et à bientôt.